Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une playlist, ça fait genre des mois et des mois que j'ai pas fait de playlist. C'est un petit peu dans l'excès, mais en tout cas ça fait très longtemps. Et je sais que ça fait très longtemps que vous m'en demandez aussi. Donc je me suis dit que c'était le moment parce que j'ai énormément de sons à vous faire écouter. Ça se trouve c'est des sons que vous allez connaître, ça se trouve non. Comme d'habitude, mais ça fait toujours plaisir d'écouter de la musique et potentiellement de pouvoir découvrir des nouveaux sons. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre son du moment. Peut-être que moi je le connais pas et que du coup vous allez me faire découvrir un son. Moi en tout cas, je vais commencer cette playlist avec mon son du moment, qui est une folie et qui je pense va être mon son de l'été, les gars. C'est Peace of Mind de Sean Kingston avec notamment Tory Lanez. C'est une petite folie. Donc on commence cette playlist par ce son là et j'en ai plein d'autres à vous faire écouter. Donc c'est parti, let's go. Une folie, ce son-là, on n'arrêtait pas d'écouter à l'Ibiza avec Andrea, donc je l'adore. Ah oui, aussi, c'est pas forcément des sons qui viennent de sortir. Là, dans ma playlist, il y a un peu tout, donc no judgment, ok. Là, on est sur Look Back at It de. Je sais quoi ce nom. A Bougie with a Hoodie. Ok. Bah écoutez, apparemment c'est ça son nom. Mais le son est lourd. J'aime trop ce son. Genre, je sais pas, il me donne trop envie de danser. J'aime trop ce son. Ensuite, il y a le son Lovely de Billie Eilish et Khalid qui est incroyable aussi. Un autre registre, c'est un peu plus triste. Mais genre il me pose de ouf. Non mais leur voix à eux deux, moi je peux pas. Déjà Kali, je l'aime. Mais ce son est incroyable. Ensuite, bon, qui a pu passer à côté de Arc-en-ciel de Booba? En tout cas, pas moi, donc. Je l'aime. C'est fou, hein, Booba, je l'aime. Enfin bref, ensuite il y a le son Karma de Joe. Par contre, les gars, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc c'est Karma de Joey Dwight Filet. Bref, de toute façon c'est écrit quelque part dans la barre d'infos parce que je sais pas comment on prononce. Je crois que c'est Joey Dwight Filet, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas le son Karma est incroyable. Tu vas, on te parle de moi, je suis partout. Apparemment t'as déjà oublié. Oh, maintenant tu viens supplier. Tout cela t'est déjà passé. Merci pour mes nouvelles, t'as toujours été sympa. Les paroles, il est trop fort. Enfin bref. Ensuite, il y a Heartbreak 3 de Kaza. Incroyable. Mais avant tout ça, ne venez pas, ne t'appelez pas, ouais. Comment ça tire? Est-ce que sur eux tu vas tirer? Tu dis t'es la bonne. C'est vrai que ça blesse, mais y'a la moula pour recoller. Changez pas mon corps, mais ça fait du recoller. Y'a la moula. Je l'aime trop et il y a le Heartbreak 2 aussi qui est très bien de Kaza aussi, donc je vous la mets. Même si j'ai une préférence un peu pour la 3 et celle-là. On l'a pas fait bonne soirée, mais c'est pas pour autant que j'étais marié. Dans mes DM, c'est déjà oublié. Je te rappellerai pas, c'est trop tard. T'as trop fait la star, c'est dommage. T'es l'amour de l'argent, je préfère ça. N'en touche pas mon cœur, c'est cassé. Billets violets, je peux pas t'aimer, moi je pense qu'on est rosé. Bref, à écouter vraiment, Kaza, je connaissais pas du tout et gros coup de cœur. Donc voilà. Alors ça c'est un son que j'ai mis énormément de temps à trouver. Je l'entendais partout à Dubaï quand je suis rentrée en France, je voulais absolument le trouver. Et c'est des abonnés sur Insta qui m'ont aidé à le trouver. Ça fait beaucoup de trouver, mais écoutez, je vous laisse écouter parce que ça là. Bref, une folie quoi, vous l'aurez compris. Ensuite évidemment vous vous en doutez, il peut pas y avoir une playlist sans avoir du Kevinho. Donc Salvo Melody, vraiment meilleur son de l'année. Là on est sur voilà, avec Gustavo Lima. En plus le mec, je pense qu'il était au max d'avoir un featuring avec lui. Hyper lourd quoi, Kevinho toujours la base. Eu tô com pressa, vontade louca. Tô decidido a beijar sua boca. É que você salvou meu dia.
Donc voilà, alors celui-là est incroyable. Oh, je l'adore. Ensuite, on a Drip Too Hard de Lil Baby et Guna. Ça paraît, ça me rappelle Dubaï, mais à 40 milliards de pourcents. Bon, j'ai envie de dire que par contre, je connais la parole, mais ce son, je l'aime trop. Voilà. Simplement. Ensuite, il y a un son de Franglish qui est déçu. Le dernier album de Franglish, si vous l'avez toujours pas écouté, je sais pas ce que vous attendez. Il faut y aller maintenant. C'est une folie que ce soit comme ça. Ok, déçu. Bref, l'album de Franglish est une tuerie. Mais là, je vais vous faire écouter déçu parce que c'est le meilleur son. Oh oh oh, mais qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Je suis parti, bah, ouais, ouais, le cœur lourd entre les mains. Baby, tragédie. C'est même pas la peine de dire ce que je pense. De toute façon notre relation n'avait aucun sens. C'est de tu m'as déçu, tu m'as déçu. Laisse tomber. Bref, une folie, il est pas tout seul sur ce son, mais je sais pas avec qui il est. Donc voilà, mais la partie de Franglish est vraiment lourde. Donc voilà quoi. Ensuite il y a le son Pami de D'Alex. Là c'est un remix avec plein de monde. Donc je vous mettrai Climax, tout ça. De toute façon je l'écrirai parce que c'est beaucoup trop... Il y a trop de gens là donc je bébats. Mais le remix c'est ouf et j'adore ce son. Se sentir en la position de Silla. Yo lo sé como puedo compartirte. Eres como la clave de mi celular. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Ahorita pa' mí, no te comparto con nadie. Enfin je pense que si vous connaissez l'original, vous vous rendez bien compte que là déjà il y a une meuf qui chante. Qui sont plusieurs, ils sont vraiment beaucoup, donc voilà, mais ce son est incroyable. Donc il méritait sa petite place dans la playlist, voilà, tout simplement. Et puis écoutez les gars, je crois qu'on a plutôt fait le tour. Ah non, il y a un dernier son, je l'ai Shazam carrément. Ça fait longtemps qu'il existe, mais ce son je le cogne, vraiment c'est le mot, je le cogne depuis que je l'ai. Oh Nanana de DJ6RB and Bond R300. Bref, pareil, je vous l'écrirai parce que c'est n'importe quoi. Mais c'est une pépite, genre vraiment, je kiffe ce son. Et il fallait que je le mette dans cette playlist parce que je l'adore. Voilà. Et si vous le connaissez pas, c'est très très triste. Donc au moins comme ça, après ça, vous avez plus d'excuses. Bref, c'est une folie. Je pense que vous reconnaissez plusieurs sons dedans si jamais vous les, bah, vous les connaissez de base. Mais grosse folie, donc ouais, j'adore ce son et bah, on finit là-dessus sur un petit son un peu qui bouge. Donc voilà, on finit là-dessus les gars, j'espère que cette playlist vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.